scénario est terrible hein, pour cette équipe de Juvisy qui avait fourni beaucoup d'efforts pour tenir cette équipe parisienne et pour tenir ce match nul. Gaëtan Tinet qui va peut-être pouvoir frapper. La réduction du score de la capitaine juvisienne qui relance complètement le match. Mais voilà, on attendait les buts, on en aura 3 en 3 minutes. Amine Tadal qui va la trouver dans le cœur du jeu. Et là on défend pas très bien. Shirley Cruz qui est déjà averti, qui ne peut pas faire faute. Irène Paredes hein, qui vient pas du tout au contact. Trop laxiste défensivement, recule, on est déjà dans sa surface, elle recule trop Irène Paredes sur ce coup-là. Ça permet à Gaëtan Tinet de s'ouvrir l'angle. On rappelle que Tennis Armarozan, ça a été vu par Grigia Bock évidemment. Le contrôle excellent. Oh, bien joué. Il a fait encore une fois avec Pauline Bremer. Entre allemande, Pauline Bremer pour le contrôle, Pauline Bremer pour le petit saut. Oh, oh non, direct. Magnifique. Oh, c'est un festival. Tout lui réussit à Pauline Bremer depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Tout lui est réussi. On voit le ballon, cette magnifique passe de Marozan. Et puis là, elle va contrôler. Elle regarde au centre. Ah, je dirais que c'est fait volontairement. Ah oui, ah oui, oui, ah oui, je suis d'accord avec vous. Oui, oui, oui. Mais parce qu'il y a beaucoup de jambes quand même. Non, elle voit. On voit sur sa reprise d'appui,